Nous sommes là ce matin, Seigneur Dieu, pour t'honorer, pour t'élever. Merci, Seigneur Jésus, pour ce troisième culte que tu nous donnes d'avoir ce week-end, pour le deuxième culte du dimanche. Tu as été là, Seigneur, durant les cultes précédents, et tu es encore là avec nous. Tu es toujours là. Là où deux ou trois personnes sont assemblées en ton nom, tu es présent. Apprends-nous à rentrer en contact avec toi, communier avec toi. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen, accompagné de cris de joie, d'acclamation, en l'honneur de Jésus, en l'honneur du Sauveur, de notre Seigneur, de notre Sauveur, en ton honneur, nous acclamons, en ton honneur, Breda Haïde, Wede, le Vaïpage, Rokata, la Babraïde, Slari, Kende, Rebabo, Bachinda, la Babo. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen dans la présence de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Encore un bon amen. Pour des gens qui sont bénis, nous disons amen à la parole de Dieu. Aux bénédictions que tu reçois. Au nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Tu es béni ce matin. La faveur de Dieu est sur toi. Je vois la grâce de Dieu qui brille sur toi. La main de Dieu est sur toi. Quelqu'un est béni en tout lieu. En tout partout, tu es béni. Quand tu es connecté, tu es béni. Qui est issu, vous êtes béni. Un bon amen à Jésus. Amen, amen à Jésus. Amen, amen à Jésus. Alléluia. Béni un voisin, pour accueillir un excellent culte dans la présence du Seigneur. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. On va bénir le Seigneur pour les chantres. Quelqu'un une acclamation pour Intimacy Choir. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. En tout cas, tu brilles de la gloire de Dieu. Même derrière ton masque, je sens que l'onction est sur toi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Jésus pour ce dimanche. Amen. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Alléluia. Alors, comme vous le savez, notre thème de cette année, c'est quoi? Béni pour conquérir. Amen. Il y en a comme la musique quand tu as envie de citer. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis béni. Alléluia. Non, là, la même. Tu attends mon reçu, tu as dit maintenant, oh j'ai reçu. Tu m'as dit que je suis béni. Toujours en haut et jamais en bas. Tu as reçu, non? Tu as reçu au nom de Jésus. Ça marche au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est notre thème. Nous sommes bénis pour conquérir. Alléluia. Nous sommes bénis pour conquérir. Amen, amen. Et aujourd'hui, je vais parler avec toi donc de la première bénédiction parce que nous allons reparcourir, nous parcourons les différentes bénédictions. Comme vous le savez, l'année dernière, on a parlé de la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Et on a expliqué ce que c'était que la bénédiction. Ce sont ces capacités surnaturelles-là. Ce sont les capacités que Dieu nous a données pour opérer dans ce monde. Et maintenant, nous sommes bénis pour pouvoir conquérir. Alléluia. Conquérir, ça veut dire mener des batailles et amener des territoires qui nous étaient, qui n'étaient pas assujettis au Seigneur, les amener et pour assujettir ces territoires-là au Seigneur. Amen. Nous sommes en train de conquérir, conquérir de nouveaux territoires. Alléluia. Donc, si tu avais été vaincu spirituellement ou bien tu étais trop faible spirituellement, tu n'avais pas la victoire que tu voulais, cette saison de bénédiction, de conquête, tu conquiers cela dans le nom de Jésus. C'est vrai que lorsque Dieu nous a donné le thème de la conquête, c'est d'abord pour répandre la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Aller là où on n'a pas encore évangélisé, ouvrir des églises, conquérir de nouveaux territoires. Donc lorsque tu entends ce thème, c'est un thème d'appel missionnaire. C'est un thème d'appel pour aller parler de Jésus aux gens. C'est une responsabilité que tu reçois de témoigner de Dieu. De dire, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a béni, il m'a donné la santé. Attends, je vais aller conquérir d'autres personnes pour leur dire que Jésus guérit. Je vais pour les amener au Seigneur. Alléluia. C'est si je sens vraiment cet appel-là de dire, pasteur, je suis là, je vais servir. Est-ce qu'il y a un village
il y a un endroit, il y a une ville, je vais aller là-bas, prêcher la parole. On va commencer des cellules, on va commencer des points de rassemblement. On va se répandre partout. Ça, c'est l'esprit de la conquête. Cette année, Dieu nous envoie plus de croisades, plus de campagnes, plus d'ouvertures d'église, plus d'endroits. Les hommes et les femmes ont besoin d'entendre parler de Jésus. Amen. C'est d'abord ça la conquête. Béni pour conquérir. Béni pour conquérir aussi, va mener maintenant venir sur amener sous le royaume de Dieu tout ce qui n'y était pas. Assujettir cela à Dieu. Conquérir, ce n'est pas nous pour nous installer, mais c'est pour que le règne de Dieu soit manifesté en tout lieu. Dieu dit à Abraham, je t'ai béni pour que tu sois une source de bénédiction. Nous voulons amener tout ce qui n'était pas à être conquis au nom de Jésus. Nous voulons amener tout ce qui nous a vaincu hier à être vaincu et dominé par le Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et chacune des bénédictions que nous avons étudiées l'année dernière nous sont des éléments pour nous aider à faire amener cette conquête. Et dans les 12 bénédictions, la toute première est vraiment majeure, elle est vraiment importante. Celle qu'on va commencer en février, en fait, chacune d'entre elles sont importantes. Amen. La numéro 1, qu'on a appelé précédemment la bénédiction du territoire, c'est la même chose, ou que j'appelle aussi la bénédiction de l'orientation divine. Amen. La bénédiction de l'orientation divine. C'est la capacité que Dieu a donnée à certaines personnes et qui a été donnée à tous les chrétiens, à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. C'est cette capacité-là à savoir et à être au bon endroit au bon moment. C'est cette capacité à être au bon endroit au bon moment. Amen. C'est cette capacité que Dieu te donne à t'orienter et à te situer là où tu dois être. Amen. Et c'est très important d'être au bon endroit au bon moment. Il est dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, au verset 2, la Bible nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Tu vois la phrase, il est dit, j'ai ordonné, regarde le temps, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Amen. C'était une période de famine. Et Dieu voulait préserver son serviteur, le prophète Élie, de la famine. Et Dieu a décidé de lui envoyer de la provision, de la nourriture. Et regardez le temps que Dieu utilise. Dieu dit ceci à Élie, va au torrent de Kérit, va dans tel endroit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. C'est-à-dire, la phrase, et Dieu ne dit pas, il dit, va au torrent de Kérit et je dirai au corbeau de te nourrir là-bas. Il dit, j'ai déjà donné l'ordre. C'est-à-dire, à la limite, les corbeaux même t'attendent. Alléluia. La nourriture, la provision t'attend à Kérit. Maintenant, toi, déplace-toi pour aller parce que j'ai déjà donné l'instruction à ce que tu sois pris en charge. J'ai ordonné. Alléluia. Et quand tu arrives au verset 8, pendant que Élie était au torrent de Kérit, il est dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, lisons ensemble cette partie, voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Le temps nous montre que Dieu avait déjà donné l'instruction à la femme. Donc, lorsque Élie allait arriver, il partait juste prendre ce que Dieu avait déjà fait. Alors, dimanche dernier, il y a quelque temps, j'ai commencé à vous expliquer qu'il faut savoir que Dieu ne résout pas les problèmes au moment où il se pose. Dieu ne résout pas les problèmes au moment où il se pose. Dieu a déjà tout réglé. Et il a toujours fait ainsi. Lorsqu'il crée Adam, le sixième jour, les jours précédents, il avait disposé tout ce dont Adam aurait eu besoin plus tard. Donc, quand Adam naît, quand Adam apparaît, Dieu a déjà pourvu à sa nourriture. Dieu a déjà pourvu à sa protection. Dieu a déjà pourvu à son entretien. Ce n'est pas que Adam arrive et puis Dieu dit, bon, maintenant réfléchissons à ce que tu vas faire. Dieu a déjà fait. Ce que la parole de Dieu nous informe, c'est que Dieu n'est pas surpris par les besoins. Avant que le problème ne se pose, Dieu avait déjà trouvé la solution. Dieu avait déjà donné l'ordre au corbeau de nourrir Élie avant même que Élie n'ait faim.
Dieu fonctionne toujours comme ça. Dieu a déjà résolu tous tes problèmes, quels qu'ils soient, avant que les problèmes ne se posent. Je ne sais pas la difficulté que tu as, mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ, en mourant à la croix, a dit ceci: tout est accompli. Posons-nous souvent la question, mais qu'est-ce qui est accompli? Si c'était simplement le salut est accompli, c'est important. Mais c'est tout. Il dit tout est accompli. Ça veut dire j'ai tout. Quel que soit le dossier, c'est déjà réglé. Quand Jésus est mort à la croix, il dit tout a été réglé. C'est terminé. Tout est accompli. T'es avec moi, tout est accompli. Jésus a déjà tout fait. Quel que soit le défi auquel tu peux être confronté, Dieu le savait d'avance. Dieu a déjà prévu la solution. Quand tu es confronté à un endettement, à une dette, Dieu a déjà donné la provision pour que tu sors de la dette. C'est déjà là. Il a déjà donné les instructions. Il dit, mon fils Gasparien a quelques problèmes financiers, mais j'avais déjà ordonné à tel endroit, à telle personne, de lui donner cet argent. Dieu a déjà parlé à des gens, quel que soit le problème. Dieu a déjà placé ton mariage. Dieu a déjà placé tes enfants. Dieu a déjà placé comment tu sors de la stérilité. Dieu a positionné tout. T'es avec moi, tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. C'est un texte de l'Écriture nous montre que Jésus-Christ même a été crucifié avant la fondation du monde. C'est-à-dire, le moment de la manifestation, c'était il y a à peu près 2000 ans. Mais Dieu avait déjà, avant même qu'Adam ne pêche, Dieu avait déjà montré le moyen de racheter l'humanité. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, Dieu n'est pas surpris. Dieu, on ne vient pas prier depuis Dieu là, il s'assoit et dit, ah, tu as quel problème? Je voilà. Où tu vois ma vie là? J'ai 4 divorces dans mon bagage. Est-ce que tes textes ont prévu ça pour moi? Dieu dit, j'avais déjà prévu. Comment on s'en sort? Il dit, j'avais déjà traité ça. Alléluia. Ma vie, tout est accompli. J'ai échoué, j'ai monté 10 entreprises, tout s'est fermé. Il dit, oui, j'ai prévu. Quand on a échoué 10 fois, comment on rebondit la 11e fois? Il dit, si j'ai fait 12 fois, il dit, j'ai écrit déjà aussi. Quand on échoue 12 fois, comment on fait la 13e fois? C'est pas Dieu, il y a bien un problème, Dieu arrive, Dieu dit, aïe, aïe, aïe. Attention, ce cas de figure. Et puis maintenant il va faire un conseil. Ange, venez, nous allons discuter. Cet homme-là, il est arrivé dans une dimension imprévisible, imprévue, jamais prévue. Trouvons maintenant la solution. Frère, non seulement Dieu a prévu que le problème pourrait arriver, et en même temps, il y a déjà trouvé la solution. Alléluia. Quelle que soit la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, Dieu a déjà pourvu. Et c'est une chose dont tu dois être conscient. Amen. Maintenant, ce que le texte qu'on vient de lire nous révèle, c'est que la provision, l'exaucement de Dieu se situe dans un environnement donné. Il dit, j'ai ordonné aux corbeaux, mais les corbeaux ne vont pas te nourrir partout. La solution n'est pas partout. La solution que j'ai prévue se trouve exactement au torrent des Kérites. Amen. Et à un moment donné, le torrent lui-même s'est asséché. Mais Dieu aussi avait prévu que le torrent s'assèche. Et au moment où le torrent allait s'assécher, tu avais mis l'autre provision chez la veuve de Sarepta. Tout ça, il avait déjà réglé avant même que la famine arrive, avant même que Élie ait fait la prière pour dire « Dieu, arrête la pluie ». Dieu avait déjà tout positionné. Tout a été fait. Est-ce qu'on est ensemble? Le plus délicat, il s'agirait simplement d'aller là où il devait aller. Alors, cette capacité à trouver le chemin là où Dieu a envoyé votre réponse, est ce qu'on appelle l'orientation divine. Dieu te conduit là où tu dois être. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Supposons que tu es dans la restauration. Et Dieu ordonne, par exemple, il te dit, j'ai ordonné à la prospérité de venir dans ta restauration. Quand tu vas faire un plat de foutu de cette façon, tu cuisines comme ça, j'ai ordonné à la faveur de te trouver là. J'utilise cet exemple pour vous montrer ce que c'est que l'orientation divine. Et toi, quand tu obéis à cela et que tu fais ce menu-là, tu vas voir que Dieu avait déjà préparé tout. Les clients qui devaient venir, l'argent qu'ils allaient te donner, le restaurant, la forme du restaurant, les tables, tout, tout. C'est-à-dire que dès l'instant où tu arrives à Kérit, dans ton Kérit, tout était préparé. C'est pas que c'est maintenant qu'il arrive et puis il dit, ah attention, tu as trouvé le menu, quelle est la décoration qui va aller avec. Non, en fait, il a déjà tout fait. Si vous observez, quand vous lisez Jésus, Jésus dit, moi je ne fais rien de moi-même, je fais tout ce que j'ai vu mon Père faire. C'est-à-dire que Jésus, même avant de guérir les malades, partait chercher
ce que Dieu avait déjà fait, parce que Dieu a déjà fait. Et votre bénédiction, votre victoire ne se trouve pas dans de nouvelles conquêtes. En fait, nous devons rentrer dans ce que Dieu a déjà conquis pour nous. Nous vivons la victoire que Dieu a déjà gagnée. Dieu ne t'envoie pas dans une bataille, il ne te laisse pas dans une bataille sans avoir donné la solution. Donc lorsque Dieu te dit par exemple, va commencer ce commerce-là. J'ai ordonné à la grâce, à la faveur, à la réussite de te trouver dans la vente de foutou. Et tu vas dans la vente de foutou. C'est, la bénédiction de l'orientation va plus loin. Malheureusement, certaines personnes, lorsqu'ils arrivent, leur torrent de guérite, c'est la cuisine de foutou dans tel quartier d'Abidjan. À un moment donné, le torrent peut s'assécher. C'est-à-dire, la faveur qui devait être manifestée, les clients qui devaient venir peuvent se réduire malgré que tu as oublié la première partie de la voie. À un moment donné, quand le torrent a commencé à baisser, le même Dieu, l'orientation divine, lui dit, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir maintenant à Sarepta. Va à Sarepta, c'est là-bas sur toute ta bénédiction. Il y a par exemple des chrétiens qui vont rester. Ils vont dire, non, moi ma spécialité, c'est foutou, sauce claire, que de bœuf. Bon, c'est pas bon ce que je fais là, parce que vous êtes un jeune. Donc, je suis en train de tenter quelqu'un. Tu es un jeune et puis je te décris un plat que tu aimes. Amen. Ça, je suis convaincu que le soir à la descente, les gens vont appeler, quand ils vont sortir du culte, dis ma chérie, pardon, le soir là, ce que le pasteur a dit là, dans le message là, faut faire ça. On va arrêter le jeûne avec ça. Frère, arrêtez un jeûne, hein, foutu là, c'est pas bon, c'est trop lourd la nuit. Bon, ça c'est qu'il y en a qui s'en foutent. Ils ont des estomacs tranquilles. C'est-à-dire, ils prennent et puis ils dorment. C'est-à-dire, ils dorment bien. Qui dort bien avec un bon plat de foutu même à 22h? C'est-à-dire, tu prends le foutu, tu dors. 22h, tu dors sans problème. Levez la main. Que Dieu bénisse vos estomacs qui digèrent bien. Alléluia. Voilà, nous, comme ça, on a fait ça. C'est pas bon. La nuit n'est pas bien. On dort pas bien. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il se peut qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu te dise, maintenant, complète tel menu. Va faire, par exemple, du tchèp. Il t'oriente. La bénédiction de l'orientation, vous tous, vous l'avez. C'est-à-dire que ta prospérité, ton succès en 2022 peut être juste cet aiguillement-là du Saint-Esprit où il t'oriente maintenant pour aller compléter ce que tu faisais hier. Et quand tu vas aller là où il t'envoie maintenant à Sarepta, il a ordonné à la prospérité d'être là-bas. Si tu restes à Kérit, tu vas avoir la galère. Et tu vas penser que c'est une épreuve et que les problèmes continuent. Or, en fait, il y a quelque chose qui t'a parlé et qui t'a montré que tu devais faire un mouvement dans une autre manière d'aborder ton entreprise, dans une autre façon de travailler. Alléluia. Parce que la bénédiction territoriale, ce n'est pas seulement des lieux géographiques. La bénédiction dit en Deutéronome 28, il dit, Dieu dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. La ville, c'est vraiment un territoire géographique, c'est la ville. Le champ, ça parle de plantation, c'est vrai, mais le champ, ça, le mot champ là, fait référence aussi au champ d'action, à un champ d'intervention, amen, à un domaine d'action. Quand on dit un champ, ce n'est pas simplement des plantations, mais un champ, c'est un domaine d'action. Amen. Je suis dans le domaine de l'électricité. Je suis dans le domaine de l'informatique. Je suis dans le domaine comme ceci. Donc, il y a un domaine où Dieu a déjà ordonné à la provision, à la santé, à la grâce de venir visiter ta vie. Donc, quand tu es en dehors de ce territoire, tu ne vois pas ce qui t'a été promis. Quand Dieu a déjà résolu ton problème de mariage, mais il envoie la solution quelque part. C'est-à-dire, la bénédiction de l'orientation divine va te dire, va au culte à ce moment-ci et assieds-toi à tel endroit. J'y ai ordonné à la personne qui te mettra en contact avec la femme de ta vie de être ton voisin. Et toi, tu arrives. Culte. Amen. J'aime souvent raconter ce témoignage. C'est une soeur qui raconte comment est-ce qu'elle a trouvé le travail. Donc, elle arrive au culte. Elle assis au culte. Et puis, c'était le pasteur Peggy qui dirigeait ce jour-là. Et il a l'habitude, souvent à la fin du culte, de demander aux gens de prier pour leurs voisins. La chère soeur du travail.
elle avait déposé son CV dans une entreprise. Et puis, lorsqu'on dit de prier pour les sujets, elle a à cœur de dire à son voisin, à la fin du culte, ce qu'elle veut. Elle lui dit, j'ai déposé mon dossier, j'ai déposé ma demande dans une entreprise, prions que ça aboutisse. Donc, Jean se lève, elle se tourne vers ce frère, il prie, et demande dans quelle entreprise. Il se trouve que c'est le directeur de l'entreprise, mais elle ne savait pas que son voisin, c'est le directeur de l'entreprise. Donc, pendant qu'elle donne son sujet, c'est dit que l'exaucement même était là. Donc, le frère même, il a souri. Il dit, ma soeur, demain, viens. Et elle a été prise. Vous comprenez? Donc, alléluia, Dieu lui avait déjà donné le travail. Et le travail se trouvait dans cette entreprise-là. Mais, comment elle s'est retrouvée assise à côté de la personne? Pour des gens, c'est comme un accident. Ce n'est pas un accident. Être au bon endroit au bon moment, ce n'est pas un accident. C'est une bénédiction qui fait ça. C'est-à-dire que la bénédiction te prend et puis elle va te poser où tu dois être posé. Et puis la faveur est déjà placée pour toi là-bas. Je déclare dans le nom de Jésus qu'en 2022, tu sois là où tu dois être, au moment où tu dois être. Et que ce que Dieu a prévu pour toi vienne te... Non, que tu ailles trouver ce que Dieu a prévu pour toi. Entre dans ce que Dieu a prévu pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc tous les sujets que vous abordez ont déjà été exaucés. Seulement, tu as besoin de la bénédiction numéro 1 pour savoir où ça a été exaucé. Dans quel domaine ça a été exaucé. Donc lorsqu'on prie, en réalité, ce n'est pas pour que Dieu nous donne. Nous, c'est pour aller prendre. Parce que Dieu nous a déjà donné. Quand je cherche la guérison, la réalité c'est que Jésus est déjà mort pour toutes les maladies. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, il a déjà guéri. Maintenant, c'est où il t'est guéri? Pour le prieur, c'est quelle parole de foi il va déclarer. Dieu va t'orienter. Dieu te dit, par exemple, celui-là, impose-lui les mains. Celui-là, utilise l'onction d'huile. Mais il a déjà guéri. Seulement, quelle est l'approche? L'approche, là, c'est l'orientation. C'est l'orientation divine. Pendant que je déclare ces choses, ta capacité d'orientation divine est élevée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, par la bénédiction numéro 1, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, tu reçois cette orientation divine. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a ce qui est très important. Je vous ai dit que la sœur, pour elle, elle est venue au culte. C'était par accident qu'elle s'était assise. Mais pour Dieu, ce n'était pas un accident. C'était ce qu'il avait voulu. Ok? Donc, ce sont des circonstances étranges. Souvent, ce sont des intuitions. D'autres fois, ça peut venir par des songes, l'orientation. Certaines fois, ça peut être très clair. D'autres fois, ça peut être... Mais c'est un peu... C'est pas... On peut ne pas savoir exactement comment Dieu le fait. Mais il y a une chose que Dieu nous dit clairement. C'est que le chemin qui t'amène au lieu où Dieu a placé ta réussite est déjà déposé dans ton cœur. Psaume 84, verset 6. Psaume 84, verset 6 dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Donc c'est clair, ce ne sont pas des chemins que Dieu va tracer, c'est des chemins qu'il a déjà tracés. Donc ceux qui mettent en Jésus leur appui trouvent, ils ne trouvent pas ailleurs, mais ils trouvent ces chemins-là dans leur cœur. Ce n'est pas des chemins que les gens même viennent t'expliquer simplement. Ce sont des chemins que Dieu a déjà tracés en toi. Donc même quand tu as échoué 20 fois, il n'a pas dit qu'il trouve un chemin. Dieu ne trace pas un chemin. Dieu trace beaucoup de chemins. Parce qu'il y a les cas où on échoue. Il y a le cas où Dieu a tracé le premier chemin, mais on a raté. Dieu place le deuxième chemin, le troisième, celui de rattrapage. Voilà, alléluia. Bon, j'espère que tu n'as pas resté dans tous les rattrapages. Alléluia. Amen. Dieu a déjà tout tracé. Si le plan A n'a pas marché, il y a plan B. Le plan B n'a pas marché, plan C, plan D. Amen. Il y a des gens, ils ont raté, ils ont fini l'alphabet. Ils ont fait plan Z. Si tu as échoué le plan Z, Dieu reprend encore, on fait plan A1, plan A2, plan A1, plan B1. Quand on a fini l'alphabet en Z1, on revient encore. Plan A2 jusqu'à Z2. Parmi nous, peut-être, il y a des gens qui, en thème d'entreprise,
ils sont arrivés à B77. Mais même si tu as échoué de tout l'alphabet et 77 fois, Dieu a tracé un chemin pour que à la 77e échec, la 78e, tu trouves la solution. Tout est tracé en chacun d'entre nous. Tout est tracé. Je veux te dire que si tu as échoué 2021, tu as échoué 2020, il y a le chemin, comment on réussit en 2022. Et tout ça est tracé déjà. Dieu a déjà tout solutionné. Il ne souhaite pas que le malheur t'arrive. Il ne souhaite pas que tu échoues. Mais quand il a créé Adam, il ne souhaitait pas qu'il pêche. Mais s'il venait à pécher, la solution était là. Si l'humanité tombait dans la déchéance la plus totale, Dieu avait suffisamment de solutions pour faire sortir les humains de la déchéance la plus totale et les ramener au sommet. Quel que soit le degré de ton éloignement, Dieu a déjà écrit, quand on est éloigné à cette distance, comment on est ramené sur le chemin? Il a un plan pour toi. Ton histoire n'est pas finie. Ta vie n'est pas terminée. Amen. Donc, la bénédiction de l'orientation est vraiment fondée sur le cœur. Parce que c'est dans le cœur que se trouve le chemin. Même quand quelqu'un vient te dire, va dans tel endroit, quand le chemin est tracé dans ton cœur, tu sens qu'il y a une... ça match, c'est-à-dire tu sens que ce qu'il me dit là, ça me parle. Là, peut-être quand je te parle, quelque chose répond en toi, c'est ce que Dieu veut que tu entendes. Si tu sens la réponse dans ton âme, c'est que Dieu avait déjà mis ça en toi. C'est pourquoi tu reconnais. La Bible dit que mes brebis reconnaissent ma voix. Elles reconnaissent, c'est-à-dire, reconnaissent, ça veut dire que tu l'as déjà connu. Il y a des choses que vous savez, mais vous ne savez pas que vous le savez. Un jour, Jésus a dit aux disciples, il dit, vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Les disciples ont demandé, Seigneur, on ne sait même pas où tu vas. Comment connaîtrons-nous le chemin de où tu t'en vas? Jésus dit, Jésus les informait que l'endroit où il va et le chemin pour y arriver, eux, les disciples, ils le savaient déjà. Mais eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils savaient. Vous comprenez? Il y a des choses que vous savez, mais vous ne savez pas que vous savez. Jusqu'au jour où on vient, tu dis, ah, il me semble que j'ai déjà vécu ça quelque part. Ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu. Parce que tu l'as déjà vu. La solution est dans ton cœur. Un jour, tu l'as vu dans un rêve. Mais tu as oublié. Et le jour où la chose te revient, tu dis, waouh, ça me parle cette affaire. C'est pour ça que tu te sens connecté à des messages, il y a des prédications qui te vont. Il y en a d'autres qui, parce qu'en fait, en toi, il y a des choses qui sont déjà placées par Dieu. Alléluia. Et lorsque tu retrouves, tu dis, ouais, ça... C'est ça, c'est mon truc, ça. C'est ce dont j'avais besoin. Parce que c'est déjà en toi. Le plus important, c'est le cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ton cœur. Amen, amen. Ton cœur. Dieu a déjà tout tracé dans ton cœur. Tu as déjà tout tracé. Tout est en toi. Même quand Dieu te parle, tout commence par ton cœur. Amen, amen. Amen. Alors, le plus compliqué, donc, si Dieu a tracé des chemins dans ton cœur, il faut aussi savoir que l'ennemi, les expériences de la vie tracent d'autres chemins aussi en toi. Lorsque tu as grandi dans un environnement où on t'a fait croire, où on t'a fait dire que tu es nul, tu es le dernier, ça te trace un chemin. Ça trace un chemin de je m'en vais à nulle part. Ça trace un chemin que moi, ma vie est écrite dans la pauvreté, dans la misère. Il y a des chemins qui sont tracés par le diable, tracés par l'ennemi. Jésus décrit le cœur en disant, Dieu a semé des bonnes semences, mais l'ennemi, pendant qu'on était inconscient, en a semé de mauvaises. Donc, Dieu a tracé les chemins. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres chemins qui sont tracés. Il y en a d'autres. La vie trace. Tes études tracent des chemins. Il y a des études qui te disent, quand tu as fini de faire, on dit, bon, toi, tu as fait quoi? Tu dis, j'ai fait mécanique. On dit, tu seras mécanicien. Tu peux être commerçant. Tu peux commencer dans la mécanique et puis après, tu vas t'envoyer ailleurs. Tu peux commencer. Tu vois, la vie, les expériences même tracent des chemins. Et tous ces chemins-là sont dans nos cœurs. Quand, par exemple, on t'a mis dans le chemin de la colère, de l'aigreur, ça te trace un chemin. Ça te trace un chemin. Et ces chemins-là peuvent être tous cumulés dans notre cœur, de sorte que le chemin de Dieu est difficilement perceptible. Lorsqu'on rentre en nous-mêmes, on ne sait plus trop si la décision qu'on va prendre vient de notre expérience, vient de nos souffrances, on ne sait pas trop. Il y a des personnes qui vont vers le mariage qui va les faire souffrir. Parce qu'ils cherchent à éviter quelque chose d'autre. Donc, pendant que la bénédiction de l'orientation dit, c'est pas la bonne route, c'est pas la bonne route. Il y a une voix qui dit, c'est ce qu'il te faut, c'est ce qu'il te faut. Et il va, tu as pris le gars à cause de son argent, après tu trouves que non, tu as marié.
Amen. Tu as marré ce qu'il ne fallait pas. Ok, gloire à Dieu. Tu as marré ce qu'il ne fallait pas. Donc tu as pris cette mauvaise foi. Mais même si tu as arrêté le mariage, Dieu a son plan. Dieu a son plan. N'arrête pas ta vie à un échec. Ce n'est pas vrai. Dieu a son plan. Et c'est ce dont vraiment je veux te parler. Alléluia. Amen. Je suis donc toujours dans la bénédiction numéro 1, mais béni pour conquérir. C'est pourquoi les éléments que j'ai abordés, j'ai fait les trois premiers jours du jeûne, on a visualisé, où je suis revenu sur ce livre. En fait, ce que je prêche, c'est ici, mais maintenant, je le prêche dans l'esprit de la conquête. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, tu vas voir que les six clés, ou bien sept principes, ça dépend de comment on les découpe, pour pouvoir retrouver le chemin dans le cœur, et ce dont j'ai parlé un peu dimanche dernier, tu retrouves ton chemin lorsque tu sembles confus, lorsque tu arrives dans une nouvelle saison, comme par exemple cette nouvelle année, il y a des éléments sur lesquels il faut faire attention, il faut revenir. Mais c'est un travail d'abord dans le cœur. La première des choses, c'est d'honorer tes sources, de les honorer. Le point de tes sources est des points de commencement. Est-ce qu'on appelle aussi tes pères? C'est important. Amen. Donc, il y a tellement de bruit en toi que faut respecter ces six éléments-là. Dans certaines versions, je dis sept. Il faut les respecter. Quand tu pour t'orienter, on doit connaître et savoir et valoriser ton point de départ. C'est toujours comme ça. Amen. Je ne peux pas dire, si quelqu'un m'appelle au téléphone et me pose la question, pasteur, demande-moi le chemin pour aller au Sofitel. La chose que je vais lui demander, où es-tu? D'où pars-tu? Parce que sa position de départ détermine le chemin qu'il va emprunter pour y arriver. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, d'où tu parles, c'est une question qui a de la valeur. Et souvent, l'endroit d'où on part ne nous plaît pas. Et là, je parle sur le plan émotionnel. Je veux aller à un mariage épanoui. Il va te poser la question sur le plan sentimental, émotionnel. D'où pars-tu? D'où viens-tu? Tu as besoin de dire, je viens d'une famille divorcé, séparé, compliqué. Et tu vas aller où? Je m'en vais à un mariage béni. Ok? Quand on quitte le quartier de famille, naissance dans une famille compliquée, divorcée, papa et maman qui se battaient tous les jours, la route est différente de quelqu'un qui quitte le départ. Parents qui s'entendent, parents qui se comprennent. Le chemin pour que ce mariage soit béni est différent de l'autre. Mais tout ça, c'est les différents types de chemins. Est-ce qu'on est ensemble? À la fin, vous arrivez tous à l'endroit prévu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quel que soit mon point de départ, sa marque qu'il a laissée dans mon cœur est très importante pour m'orienter. Donc, que le départ soit plaisant, que le départ soit désagréable, on s'en fout. C'est ce qui est sûr, c'est une histoire que tu as vécue. C'est ton histoire et on ne peut pas l'effacer de ta vie. Ok? Donc, on prend ça comme ça. On m'a violé dans mon enfance, c'est ta vie. Ça a été fait, ça a été fait. On ne peut pas enlever. J'étais marié, on m'a laissé, ça t'est déjà arrivé. Si on pouvait repartir en arrière, on serait reparti, mais on ne peut pas repartir. Dieu ne nous a pas donné cette option-là. Amen. Je sais que Dieu nous exauce dans tout, mais je crois qu'il y a un sujet de macharet dans le temps-là. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. Alléluia. Donc, mais n'empêche que c'est ton point de départ. C'est 4 divorces. C'est 10 mariages. C'est ton point de départ en ce qui concerne le mariage. À partir de là, on va reconstruire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, quel que soit ton point de départ, le livre, je t'explique à l'intérieur qu'il est important que tu fasses la paix et que tu saches honorer cela. Et puis, il y a les bons pères, il y a tout ce bon papa, bon début. Si je veux être orienté dans l'entrepreneuriat, tu vas te poser la question, tu viens d'où? Tu dois savoir la première entreprise où tu as commencé, la première boîte où tu as travaillé. Tout ça a une valeur pour toi. Alléluia, ton point de départ, tu as commencé où? Alors, qu'est-ce que je fais? Cette année, comme ça, j'ai besoin d'orientation. Je veux que Dieu me conduise. Quel message je vais prêcher? Je vais orienter. Où on va partir faire les croisades? Je cherche une orientation. Comment je vais diriger? Je cherche une orientation. Donc, je vais faire référence à ma bénédiction. Elle est en moi. C'est mon héritage. C'est là déjà. Comment je réactive l'orientation? Ce que je fais, c'est que dès le début de l'année, mes premiers pas sont d'aller honorer mes sources. Donc, généralement, ce que je fais, là, vous avez vu pendant le jeûne, dans les trois premiers jours, maman Lily et moi n'étaient pas là. On est parti. On a salué nos parents biologiques. On les a honorés. Et j'ai pris l'avion. Je suis parti jusqu'au Burkina pour bénir Dieu pour la vie de Papa Karambiri. Tu vois, pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu que ce père-là soit là. Amen. Donc, ce n'est pas
le montant, c'est pas. Mais c'est un principe. C'est un principe. Je suis arrivé là-bas à son culte, il a fait sa formation. Je me suis assis. Maintenant, c'est un des frères qui vient me dire après. Il dit, ah, mon fils a regardé, parce que mon fils te suit en ligne. Il dit, mon fils, regarde, il voit les croisades. Et quand Papa Kanabiri m'a salué, il dit, ah, nous avons la présence du pasteur Sanogo et du pasteur Lilane, son épouse. Donc, il dit, son fils a regardé, il dit, ah, même les grands pasteurs aussi, ici, ils viennent écouter pasteur Kanabiri. Quelle que soit ta grandeur, quel que soit le niveau que tu vas atteindre, ton histoire commence quelque part. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Le jour où tu vas l'oublier, tu es perdu. Est-ce qu'on est ensemble? Le jour où tu vas oublier qui tu es, d'où tu viens, tu vas te perdre. On ne peut plus t'orienter. On ne peut plus t'orienter. Donc, moi-même, j'ai besoin d'orientation. Ce n'est pas mon père biologique. Dans le ministère, il m'a béni. Et ça m'a orienté. Je me vais honorer ça. Ça va m'éclairer. Donc, le chemin est dans mon cœur. Mais il y a tellement d'autres chemins que je repars dans mon cœur. Donc, vous êtes orienté sentimentalement et sentimentalement. Bref, j'enseigne beaucoup là-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pendant que je mettais là-dessus, le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, pasteur, il faut que je passe te voir. Je veux honorer le Père que tu es pour moi. Je veux honorer. Donc, le Seigneur m'a dit, mais tu sais qu'il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a qui veulent faire ça, mais ils ne savent même pas par quel chemin ils vont passer. Qui est dans ce cas-là? Donc je dis, bon, excusez-moi, je vais créer un événement, je crois pas la semaine prochaine. Amen. Voilà, ceux qui veulent faire, là on vient, je ne peux pas parler à chacun. Voilà. Je suis en train de préparer un truc, je vous dis, voilà, comment tu le fais? Tu écris un mot et puis tu viens, puis je vais prier pour toutes ces personnes. Alléluia. Je vais bénir votre année. Amen. Si tu veux honorer en tant que père spirituel dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Parce que les années précédentes, on me disait, je dis, hey, je veux bien, mais il y a tellement de demandes. Il y a tellement de demandes. Il y en a qui quittent les États-Unis, qui quittent. Ce que moi je fais pour mon père, là, les gens font ça pour moi aussi. Amen. Donc ce n'est pas toujours évident à cause du nom. Mais maintenant j'ai décidé, bon, je vais faire ça d'une certaine manière pour quand même bénir les personnes et déclarer des paroles. Mais il y a déjà plusieurs qui ont fait des offrandes que j'ai reçues, qui ont marqué mon nom, qui disaient pour le pasteur que mon Dieu se souvienne. Alléluia. Tu n'as pas besoin de me voir physiquement. Dieu sait que tu l'as honoré dans ton cœur. Dieu sait que tu l'as fait. Moi j'ai beaucoup de pères qui m'ont beaucoup influencé, qui ne m'ont jamais vu. Mais n'empêche qu'en début d'année, je les honore quand même, sans avoir de contact physique. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Jésus. Donc pour ceux qui l'ont déjà fait, que Dieu se souvienne de vous, que ton année soit spéciale, que ta bénédiction d'orientation parle. Amen. Donc ça c'est l'honneur du commencement, ça c'est une des clés. Il y a l'honneur des autorités, le respect dans ton cœur, tu dois veiller à ce que ton cœur respecte et honore l'autorité du territoire dans lequel tu te trouves. C'est très important. Amen. Tout ça c'est ici. Alors si ton territoire de faveur c'est la Côte d'Ivoire et que tu es en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas détester le chef de l'État. Hein, ça va te créer des problèmes. Tu ne peux pas le critiquer. Tu ne peux pas te mettre là. Je vous dis, il va, oh, il est là. Il faut laisser tomber. Voilà. Parce que sur ce territoire-là, c'est lui que Dieu a placé. Donc, et Dieu ne demande pas ton avis. Si Dieu me demandait notre avis, frère, on ne nous a pas demandé. Quand la période d'élection arrive, tu as voté. On n'a pas subi ton choix et quelqu'un a été placé. Aucune autorité ne peut être là sans que Dieu ne l'ait voulu. Bénis Dieu pour le choix qu'il a fait. Rends grâce à son Saint-Nom. Soumets-toi au nom. Amen. Il est très difficile d'être orienté de réussir dans un territoire si on maudit l'autorité sur le territoire. C'est très compliqué. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et ça, vous l'avez dans tous les domaines. Hein. Si tu veux faire commerce d'Aloco, qu'il y ait un chef d'Aloco en Côte d'Ivoire, il faut bénir Dieu pour sa vie. Bon, je ne crois pas qu'il y ait un chef d'Aloco, mais c'est une manière de parler. Ok, gloire à Jésus. Et vous le trouvez, vous. Je parle de la fidélité. Je parle de veiller sur ton cœur, célébrer le succès des autres. C'est important. De célébrer le succès des autres, de ne pas avoir de l'amertume ou de l'envie, de la jalousie ou de critiquer quelqu'un qui réussit. Voilà. Si tu es toujours en train de chercher les défauts de ceux qui réussissent dans un domaine, fais attention. Tu es animé de l'esprit de Caïn. C'est la chair qui fait ça. Tu ne dois pas marcher selon les désirs de la chair, tu dois marcher selon l'esprit. Même si tu ressens de l'amertume, bien un petit malaise, s'il te plaît, ne l'exprime pas. C'est ta chair. La chair parle toujours, jusqu'au jour où on va la remplacer. Ok? Donc, elle a des sentiments qu'elle t'envoie. Il faut faire très attention de ne pas rester sur eux. La Bible dit, marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Donc, lorsque quelqu'un à côté, tu as l'impression qu'il a un succès et tu sens en toi des petites jalousies, tu laisses ça tomber
et tu bénis sa vie. Tu célèbres Dieu. Même si au début ça paraît un peu un forçage, mais fais-le. Ton cœur va suivre. Les sentiments de la chair, là, il faut les brutaliser. Tu marches selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. On n'a pas dit tu fais taire les désirs de la chair et tu sauras marcher par l'esprit. Vous me suivez? Donc, la chair me dit, il faut le critiquer. L'esprit me dit, parle bien. Donc, que dois-je faire? Il ne faut pas chercher à aller dire, la chair, je te combats. Il faut te taire. Tu es trop méchante. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Si tu fais ça, là, la chair va t'attraper. Vous allez rester dans la colère, dans la haine. Donc, Jésus dit, voici les désirs de la chair qui te font envier, sois jalouse, critique. Voilà. Et puis, à droite, tu as les désirs de l'esprit. Il dit, marche ici. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. C'est comme ça on fait. Célèbre le succès des autres. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Ne t'aigris pas contre les étapes de ta vie. Bon, bref, tout cela est ici, à peu près donc 6 points. Et puis il y a la justice. Deutéronome chapitre 16, verset 20. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc pour posséder le pays que Dieu te donne, là comment afficher ça, Deutéronome 16, 20. Pour posséder le pays que Dieu te donne, le territoire, le domaine là, il faut que tu sois quelqu'un qui soit juste, c'est-à-dire honnête. Quand tu es honnête et tu es juste, Dieu te montre facilement ton pays de grâce, ton territoire de faveur. Qu'en 2022, tu connaisses le territoire de ton succès, de ta réussite dans tous les domaines. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, si tu remarques ces différents points, tout est rattaché au cœur. C'est une affaire de pensée. C'est une affaire de cœur. Si une personne ne veut pas honorer son père, c'est parce que dans son cœur, elle n'y pense pas. Elle trouve que ce n'est pas important. Ou parce qu'elle est aigrie contre sa source. Elle est fâchée contre sa source. En tout cas, on peut avoir toutes sortes de pensées qui viennent dans notre cœur. Pour être capable d'honorer, il faut savoir se souvenir. En fait, tout est une affaire de pensée. Tout est une affaire de pensée. La plupart des clés, dimanche dernier, je parlais de l'humilité. L'humilité, c'est une pensée. Ce sont des sentiments, c'est une pensée. Et toutes ces choses-là se situent au niveau de notre cœur. Dis avec moi mon cœur. Le cœur. Mon frère, ma soeur, tout est géré par le cœur. C'est la raison pour laquelle mon thème d'aujourd'hui et du dimanche prochain, amen, c'est ton cœur. Mais toi, tu dis avec moi, mon cœur. Le premier territoire à conquérir. On est béni pour conquérir, non? Alléluia. Le cœur, ton cœur. C'est le premier territoire à conquérir. Si cette année, Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux conquérir? Le pasteur a dit, béni pour conquérir toi. C'est demandé, dit, je veux conquérir la montagne de la dette. C'est-à-dire, je veux sortir de l'endettement. Ce n'est pas ça d'abord. Commence par conquérir les pensées de ton cœur. Alors, essaye d'imaginer le cœur comme étant un territoire. Une ville, par exemple, dans laquelle vivent différents types de pensées. Il y a des pensées qui habitent en toi, qui ne sont pas des pensées de Dieu. C'est celles-là qu'il faut aller conquérir. Si tu conquiers ton cœur, tu conquiers ta victoire dans tous les domaines. C'est ce dont le Seigneur parle en disant dans le livre de Proverbes. Alléluia. Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Lisons cela ensemble. 1, 2, 3. Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Donc Dieu a mis les chemins dans ton cœur. Mais Satan aussi veut mettre d'autres chemins dans ton cœur. Si tu veux réussir selon le plan de Dieu, parce que les projets que Dieu a pour toi sont forcément des projets de succès, c'est forcément des projets de réussite. Dieu ne planifie pas la mort d'une personne. Dieu ne planifie pas tes problèmes. Dieu planifie ton bonheur. Dieu planifie ta joie. La Bible dit dans le livre de Romains, le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie, le bonheur, par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La première des choses à conquérir, ce n'est pas tes finances. Ce n'est même pas les territoires où tu vas aller prêcher la parole de Dieu.
J'ai vu des frères s'élever, commencer à évangéliser, mais étaient venus habiter dans le quartier, dans le pays de leur cœur, une pensée qu'on appelle découragement. La pensée de découragement s'est installée dans le quartier VIP de ton cœur. Elle est installée là-bas. Au début, la pensée de découragement habitait sur 200 mètres carrés. Quelque temps après, elle a augmenté. Maintenant, elle est sur 1500. Elle est sur, même, on va dire, 3000 mètres carrés. Donc, tu te décourages vite. J'ai vu des frères commencer l'évangélisation et ça te décourager. Pourquoi quelqu'un baisse les bras? Parce qu'il y a des idées de découragement. Quelqu'un qui dit, ça ne vaut pas la peine. Ça fait déjà 3 mois que tu as essayé. Ce sont des pensées. Ce sont des pensées. Dieu dit, s'il y a une chose que tu dois garder au-dessus de tout, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Les pensées et les sentiments. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Surveille ton cœur plus que tu surveilles ton argent. Surveille ton cœur plus que tu surveilles même tes propres enfants. Surveille ton cœur plus que tu ne veilles sur ton mari ou sur ta femme. Quand Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose, il a essayé de prendre tout ce que tu aimes. Regarde tout ce que tu aimes, ok? Tu veilles sur eux, non? Oui. Je sais que tu aimes bien ta fille, tu aimes bien ton mari. Tu veilles sur eux, non? Oui. Ok. Dieu te dit, tes pensées, là, surveille-les plus que tu ne veilles sur l'état de ta maison et des gens de ta maison. Si la mort rentre dans ton couple, c'est parce que quelque chose s'est passé dans ton cœur d'abord. Si des problèmes arrivent, c'est parce que tes pensées, il y a une pensée qui est venue s'installer que tu n'aurais pas dû avoir. Elle ne doit pas habiter là-bas. C'est la raison pour laquelle le cœur doit être conquis. On ne doit pas laisser habiter. Vous avez des pensées comme les pensées de la peur qui s'installent. Il y a certains d'entre nous, la pensée de la peur a 70 hectares dans ton cœur. Elle a un domaine. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que ce domaine-là soit... Chasse-la! Chasse, tu sors de mon cœur. Elle ne doit pas rester là-bas. C'est, Jésus dit quoi? Garde ton cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui garde. C'est toi-même. C'est ta responsabilité. Vous savez, il y a beaucoup de pensées qu'on a et on se dit, la vie me les a imposées. Non. C'est parce que tu les laisses. C'est parce que tu les laisses. C'est parce que tu es condescendant. C'est parce que tu es complaisant. C'est parce que tu dis, c'est comme ça je suis. Tu n'es pas comme ça. Garde ton cœur. Ça veut dire, sois devant le portail. Donne des visas qui rentrent dans ton cœur, qui ne rentrent pas. Tu viens, tu dis, toi tu es quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? La pensée arrive. Elle dit, je trouve que tu es trop doux. Moi je veux te rendre un peu. Il faut t'énerver de temps en temps. Tu dis, ah bon? Oui, ouais. Je suis la pensée de la colère. Colère qui met les gens à leur place. Et puis elle va s'arrêter. Je peux rentrer? Donne-moi le visa. Bien sûr. Et quand tu vas fouiller les textes, tu regardes les conditions de visa. Les conditions de visa, c'est ce livre-là. C'est un gros livre. Je dis, tu t'appelles quoi? Colère. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand je vais arriver en toi, les gens comme ton mari qui te fatigue là, je vais le régler. Un mot. Il y a un gars au bureau là qui te provoque chaque fois là. Si tu me laisses rentrer, je dis que je vais. Les 3 mots que je vais lui dire là, il va savoir qu'on s'amuse pas avec toi. Donc tu le regardes. Et quand tu vas voir que tu vas tomber sur Philippiens 4, tu vas voir que la loi de ton cœur que tu as donnée à Jésus, ben Jésus est le Seigneur de ton cœur, dit que Jésus ne veut pas qu'il soit dans le quartier. Tu prends son passeport, tu prends le tampon. Faut taper le passeport là. Refuser avec rouge. Refuser. Grand R. Refuser. Chasse ça. Alléluia. Amen. La Bible dit, tu dois garder. C'est-à-dire, tu dois être un gardien. Garde ton cœur. Veille sur ton cœur. Garder son cœur, c'est de te promener dans les quartiers de ton cœur. Et de regarder qui habite là-bas. Parce que il y a des immigrants clandestins. Et ils ne sont pas passés par le visa. Ils sont passés par la mer. Et puis ils sont rentrés dans une porte quelque part là-bas. Alléluia. Et tu les retrouves installés. Donc tu te promènes dans le quartier de ton cœur. Tu tapes aux portes. Bonjour, ça va? Qui êtes-vous?
avant. Tu vois, il y a des gens que tu vas trouver qui n'auraient pas dû être là. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car les sources de la vie sont de lui. Écoutez, tous les problèmes viennent des pensées. Tout. Laisse-moi te parler comme ça de l'habitant qu'on appelle ce timide, ce clandestin qu'on appelle la peur. Job dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute finit par m'atteindre. Ça veut dire quoi? Quand la peur s'installe, la peur ramène un problème chronique dans ta vie. C'est-à-dire qu'une fois que s'installe, par exemple, il y a des gens qui ont peur d'échouer. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur d'échouer. Au début, la peur d'échouer est rentrée. Elle est venue après ton premier échec. Tu as fait fiançailles, ça a échoué une fois. La peur dit, faut te méfier. Est-ce que je peux entrer? Tu dis, et au lieu de chercher l'orientation divine, tu allais au lieu de dire, bon, entre vous deux là-bas, il faut que quand même je me méfie. Peur, viens t'installer. La peur est rentrée dans ton cœur et puis elle est partie y habiter. Tu lui as dit, bon, comme toi, la Bible ne t'aime pas trop, mais tu peux m'aider de temps en temps. Je te donne 200 mètres carrés. Il me dit, ça va. Deuxième fiançaille, échec. Il me dit, tu vois, il faut te méfier. D'accord. 200 mètres carrés. Aujourd'hui, la peur dans certains cœurs, après des expériences d'échec. Et vous savez, Job dit ceci, mais il a compris quelque chose. Que plus je crains, plus le mal. Donc, vous voyez, il y a des gens qui sont constamment, depuis des années, dans échec sur d'entrepreneuriat, sur échec d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, ils commencent et ça échoue. Et ils sont dans un cycle chronique. Mais en fait, le cycle ne va pas s'arrêter tant que l'habitant qui maintenant a 44 hectares, qu'on appelle la peur installée, c'est une pensée qui ramène ce qui t'a... C'est-à-dire que ce qui t'a fait peur revient. Donc, quand quelque chose t'a fait peur, ça revient. Donc, plus il s'installe, plus il ramène dans ta vie le même problème. Garder ton cœur plus que toute autre chose, c'est de faire sortir ces sentiments-là. Parce que si la peur habite dans ton cœur, ce qui t'a vaincu en 2021 va revenir en 2022. Ça va revenir parce que la parole est claire. Il ne t'arrive pas ce que tu souhaites, il t'arrive ce à quoi tu penses le plus. Quand la peur habite dans ton cœur, par exemple, il y a des gens qui me demandent, qui veulent me voir dire, ah, je ne sais pas, parce que prie pour moi, je vais me marier. Je vais prier. Je prie. Amen. Mais si tu as laissé rentrer ce qu'on appelle la pensée de la colère vient. C'est-à-dire, la pensée de la colère, c'est une logique. Ce que tu fais, ça ne me plaît pas. Je te dis quatre mots. Je suis fâché. Parce que c'est une pensée que je te dis, fâche-toi. Ne lui parle plus. Il faut serrer ton visage. C'est une pensée. Est-ce que cette pensée-là a eu le visa? Si elle a eu le visa, il faut annuler. Amen. En ce moment, en Australie, les gens se battent pour annuler le visa du joueur de tennis Djokovic. On dit qu'il n'a pas fait les deux vaccins. Bon, ça c'est pour ceux qui aiment le sport du tennis comme moi. Ok? Ils lui ont refusé le visa. Ils lui ont donné le visa. Maintenant, ils veulent l'annuler. Et si tu as permis cela, annule. Quand la colère vient s'installer, la colère, elle a toujours une raison valable. Et d'esprit que quand même dans la vie, il ne faut pas être faible. Laisse-moi gérer ça. Mais la colère, plus la colère s'installe, plus ça va détruire, polluer ta vie. La Bible dit que, par exemple, c'est très difficile à un homme d'habiter dans une maison avec une femme qui fait des palabres. Qui est tout le temps énervée. C'est pas plaisant. Même si tu as raison de t'énerver. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est la raison pour laquelle depuis, elles ne sont pas mariées. Parce que la colère est dans ton cœur. Ouais. Parce que dès que quand la colère est venue s'installer, ça fait fuir les frères. Toi, tu te dis, je ne sais pas pourquoi, on marchait bien, nos fiançailles allaient bien, et puis subitement, il est parti. Et ça fait quatre fiançailles comme ça que tu... Ma fille, il y a un habitant dans ton cœur, c'est lui qui crée les problèmes. Il s'appelle la colère. Le gars, par exemple, il est là, c'est vrai, un jour, il t'a dit, vous êtes fiancé simplement, il t'appelle. Il dit, vers 18h, je viens te chercher, ou je t'appelle. Comme tu es tellement amoureuse, à 18h, même à 17h58, même 55 même, même à 30, depuis 30, tu commences à l'attendre. Il va m'appeler, on va causer. 18h arrive, le gars n'appelle pas. Il y a quoi? 19h, il n'appelle pas. 19h30, il n'a pas appelé. 20h, 25 minutes.
appelle. Oh, entends. Tu as vu qu'il n'avait rien. Ton cœur, la colère dit non. Il se fout de toi. La colère, ça, c'est la pensée. Hein? Pendant que tu attends toutes les heures de patience, là, la colère dit c'est quoi cette histoire? Ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est comme ça, il va être dans, dans votre foyer. Oh, 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 la colère parle. Parce que quand tu es assis dans le calme, il y a des pensées qui viennent, non? Tout ça, c'est dans ton cœur. Et puis, ça discute et ça s'énerve très bien. Et tu es gonflé à bloc. 20h25, le gars appelle. Donc, quand, d'abord, même, vers 20h, même 25, il va, tu ne décroches pas, tu regardes. Il faut qu'il sache que. J'ai dit, vous êtes fiancé, vous êtes fiancé. Vous êtes en cheminement. Il insiste. 20h45, tu dis enfin, je vais prendre. Il y a quoi? Une parole méchante là. Quand il a commencé, tu dis non, 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 c'est ce que je n'aime pas. C'est ce que je n'aime pas. Si tu ne vas pas appeler, tu peux m'envoyer un SMS. Tu peux faire comme ceci. Le gars là, tu lui as fait une de ses palabres. En même temps, il dit, frère, une dame comme ça, là, on n'est pas encore mariés. Tu vois où elle peut partir? Frère, si tu es malin, tu vas commencer à te dire. Ma fille, si depuis là tu n'es pas fiancé, tu ne sais pas pourquoi. Parce que quand tu regardes, de toute façon, tu avais raison de te fâcher. Tu as juste fait la remarque d'une chose qui était anormale. Mais le truc que ça fait, c'est que ça repousse les gens. Ça les repousse. À la fin, tu te dis, mais c'est passé, j'ai pardonné, je passe à autre chose. Mais lui n'est pas passé à autre chose. Parce qu'il n'a pas envie d'habiter dans une maison comme ça. Parce que lui-même, il sait qu'il a souvent du retard. Donc, si pour un retard téléphonique, tu as soulevé la tête, tu veux lui casser ça de la tête. Il dit, moi, ben, je suis mort. Moi qui ai des problèmes de retard, la femme va me tuer. Et il s'en va. Il s'en va. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc Dieu te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garder, c'est surveiller. Qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui doit être dehors. C'est ce qu'on appelle garder. C'est un gardien. Un gardien, il a su de qui rentre dans la maison, qui est dans la maison. Et il vérifie que tout va bien. C'est ce qu'on appelle garder. Et la Bible dit de garder au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Parce que tout, la vie ou la mort, les problèmes sont gérés, viennent par cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Votre mariage, mais même l'homme de votre vie, la femme de votre vie, Dieu a dû faire endormir Adam et puis enlever la côte, prendre de sa côte, c'est-à-dire de la partie de son cœur, pour pouvoir mettre en place sa femme. Tout est engendré à partir du cœur. Dieu opère à partir du cœur. Si Dieu n'arrive pas à te parler, à te montrer les chemins pour aller vers la réussite, c'est parce qu'il y a d'autres pensées dans ton cœur qui te donnent un système de vision, de voir les choses qui ne te font pas évoluer. S'il y a un premier territoire que tu dois conquérir, ce n'est pas les choses extérieures. Si depuis des années ta vie n'avance pas réellement, ne cherche pas à conquérir encore. Pour dire cette année, ça n'a pas marché dans le commerce de ceci, je tenterai encore. Oui, il faut tenter encore. Mais pendant que tu vas tenter le nouveau commerce, s'il te plaît, cette fois-ci mène bien la bataille. Ne tente pas seulement le commerce. Tente aussi de gérer ton cœur. Retourne dans tes pensées. Pendant que tu continues à reprendre des affaires, va dans ton cœur et puis check qui habite là-bas. Quelle est la superficie de son installation? Et gère ça rapidement. Parce que cette année, tu dois gagner. Les problèmes qui t'ont vaincu l'année dernière ne doivent pas te vaincre encore cette année. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il peut dire. Regarde par exemple ce texte d'abord. Jérémie chapitre 6, verset 19. Il a dit, écoutez, voici je fais venir sur ce peuple le malheur. Jérémie 6, 19. Écoutez, voici je fais venir sur ce peuple le malheur. Fruit de quoi? Donc le malheur qui arrive dans une terre, il est venu de quoi? Donc c'est Dieu qui fait venir le malheur, mais en même temps le malheur est le fruit des pensées. Ok? Dieu dit, écoutez, je fais venir sur ce peuple le malheur. Un malheur c'est quoi? C'est des échecs, c'est des blocages, c'est des circonstances négatives qui surviennent. Mais Dieu dit que le malheur même est un fruit des pensées. C'est parce que il dit, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées.
car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Donc, les pensées amènent certains problèmes dans ta vie ou amènent des choses favorables dans ta vie. Jésus pouvait dire, le diable vient, mais parce qu'il n'a rien en moi, il ne peut rien me faire. C'est pourquoi tu dois veiller. Satan veut te détruire, mais pour qu'il fasse, il faut qu'il arrive à faire rentrer un espion, un ennemi dans ton cœur, quelque chose qui n'appartient pas à Dieu, qui vient s'installer. Et souvent, on est tolérant, on accepte, on accommode certaines pensées qu'on trouve normales, qu'on trouve logiques, qu'on trouve que vraiment on les nourrit même. Et la pensée même ne se nourrit pas. Et toi-même, tu veux te la nourrir, tu dis tu vas bien, je vais te donner un salaire. Oh. Il y en a qui nourrissent la colère. Vraiment, tu as bien parlé, c'est comme ça dans la vie. Il faut être un homme, il faut crier sur tout le monde. Yes, 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 yes. C'est pourquoi, dans Philippiens, il dit ceci par exemple. Philippiens chapitre 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude, c'est une pensée. Ce sont des sentiments, ce sont des pensées. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça, c'est puissant. Dieu dit quoi? Que quand tu as des besoins, cette année, tu as besoin de quoi? Seigneur, vraiment, cette année-là, je veux avoir une maison. Accorde-moi. Jésus, cette année, franchement, je veux un travail bien. Jésus, Dieu dit, ne t'inquiète pas. Fais connaître à Dieu ce que nous faisons dans nos prières, tes besoins, par des prières, par des supplications, c'est-à-dire qu'il faut gêner, il faut prier, il faut rendre grâce. Et on arrive au verset 7. Tu as fini de prier pour le besoin, non? Maintenant, on regarde le verset 7, la réponse de Dieu. Il dit, c'est-à-dire que quand tu vas prier, là, au lieu de te donner le miracle que tu attends, le mariage que tu attends, la solution que tu attends, Dieu dit ceci, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand tu as un besoin, tu as besoin d'argent, le problème de Dieu, ce n'est pas l'argent, parce que l'argent, il te l'a déjà donné. Le problème de Dieu, c'est est-ce que ton cœur peut aller trouver l'argent là où il a amené l'argent? Est-ce que ton cœur saura gérer l'argent qu'il va te donner? Donc Dieu, quand vous priez pour un sujet, le problème de Dieu avec vous, ce n'est pas l'exaucement. C'est le cœur. Et il dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et ce qui va se passer, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Oui, mon ami, il faut qu'on garde ton cœur. Va garder ton cœur et va garder tes pensées pour que tes pensées soient en Christ, c'est-à-dire les pensées dignes de Jésus. Et il va continuer en disant, verset d'après, verset 8, et on continue, on lit ensemble. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Alléluia. Donc ce beau passage commence par la prière, mais dit que avant même l'exaucement, parce que Dieu t'a déjà exaucé, l'élément principal pour que l'exaucement soit reçu, pour que l'exaucement soit saisi, soit possédé, ce sont les pensées. Et il dit alors, mon fils, ma fille, que tu penses à ce qui est vrai, que tu penses à ce qui est honorable, que tu penses à ce qui est digne de louange. C'est-à-dire que ta pensée, là, on peut la prendre et puis l'exposer à tout le monde. Et puis on dit, ouais, ouais, ça c'est bon. S'il y a une pensée que tu as honte d'exposer, c'est qu'elle n'est pas bonne. Alléluia. Que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Écoute, ta vie peut ne pas changer à cause de ce à quoi tu penses. Le problème des pensées, c'est que personne ne les voit. C'est toi seul qui connais. Deux personnes peuvent demander un sujet noble, mais n'ont pas les mêmes pensées pour l'aborder. Et ça crée, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça fait toute la différence. Que Dieu t'accorde un bon cœur
avec de bonnes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors, un cœur qui a de bonnes pensées, qui est protégé, qui est lavé, où on chasse les pensées qui ne doivent pas être, s'appelle un cœur pur. Dis avec moi, un cœur pur. Amen. Le mot pur, ça veut dire propre aussi. Un cœur propre. Alors, mes amis, la propreté, là, lorsqu'on dit qu'une maison est propre, ce n'est pas un statut figé. Nous savons tous que les saletés arrivent sans effort. Pour qu'une maison soit propre, elle doit suivre un protocole de nettoyage régulier pour que... Donc, la pureté, là, vous êtes arrêté comme ça, là, vous allez nettoyer la maison, la saleté même vient rentrer. C'est-à-dire que sans effort, les mauvaises pensées, là, vous n'avez pas besoin d'être avec les gens ou sans des personnes. Tu es seul, toi seul à la maison. Il n'y a personne pour te provoquer. Tu peux mal... Là, dans ta solitude, là. Est-ce que c'est que la pensée de colère peut arriver? La pensée de colère peut venir. Pourquoi toi-même tu es seul? Pourquoi il n'y a personne? C'est-à-dire que toi seul tu t'énerves d'être seul. La pensée de la solitude vient s'installer. La vie est dure. La vie est dure. La vie est dure. Tu peux te trouver avec des gens. La pensée de ils t'embrouillent va venir s'installer. Les gens t'énervent. Pourquoi ils sont là? Ils fatiguent. Vraiment, on n'a pas besoin de quelqu'un pour penser. Alors, pour avoir un cœur pur, vraiment réfléchissez comme un vêtement pur, une maison propre, un vêtement propre. Pour que vos habits soient propres, ils sont lavés régulièrement. Pour que votre maison soit propre, elle est entretenue régulièrement. Vous dites chaque jour, chaque deux jours, on vient nettoyer. C'est la même chose avec le cœur. Faut pas rester les petits. Moi, je suis pas jaloux. Non. Si tu es tranquille, tu es comme ça, calme. La saleté qu'on appelle jalousie va venir. Donc, si tu t'es donné une discipline de nettoyage de la maison, il n'y a rien à faire. Tu vas retrouver les excréments des salamandres, tu vas l'enlever. Parce qu'ils arrivent, les toiles d'araignée arrivent. Tout ça, ce sont les choses qui ne doivent pas être dans ton quartier. On ne doit pas avoir d'excréments des salamandres, la poussière qui vient s'installer sur le haut des meubles. Tout ça, ce sont les mauvaises pensées. Elles viennent s'installer naturellement en vous. Tant qu'on est sur la terre, c'est comme ça. Que vous soyez seul, que vous soyez avec des gens, que quelqu'un vous provoque, que personne ne vous a provoqué, les mauvaises pensées viennent seules s'installer. Il faut, et quand je vais toucher la notion de comment garder son cœur pur, je vais revenir là-dessus. Mais c'est déjà un élément de garder le cœur pur. C'est une introspection. Comme on nettoie une maison, tous les jours je rentre, je fais amen, je regarde. Alléluia. Maintenant, il y a des personnes qui sont... Quand on dit une personne n'est pas propre, c'est une personne qui n'a pas de bon système de propreté. Elle n'a pas de bon système. Amen. Vous savez, moi, ma femme, elle joue pas à ça. Amen. Ouais. Quand elle rentre dans la maison, elle. Donc, son doigt s'en va. C'est-à-dire, où nous-mêmes, c'est-à-dire, on ne peut pas penser là. Elle appelle les filles. Venez. Venez. Ça fait combien de jours que tu n'as pas nettoyé ici? Il faut nettoyer. Donc, le cœur, c'est ta maison. Amen. S'il te plaît. Même si ta chambre n'est pas très propre. Pardon. Le cœur. Garde ton cœur plus que tu ne gardes ta chambre. Alléluia. Nettoie ton cœur plus que tu ne nettoies ta maison. Il nécessite un regard constant, chronique. Parfois, il faut savoir que la vie vient de lui. La Bible dit, d'où viennent les haines, les querelles, les méchancetés? Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. C'est parce qu'il y a des saletés qui se sont cumulées. La pensée de les gens sont mauvais. Ils vont voir un jour, j'aime évangile. C'est ce qui t'a transformé, c'est ce qui transforme des gens en meurtriers. Quand la pensée se cumule, ça produit une réaction meurtrière. Des pensées qui s'installent, les pensées de vol. La pensée vient, tu diriges une entreprise. Il y a une pensée qui arrive un jour, tu as des problèmes financiers. Et tu dis, oh, tu as besoin de 10 000 francs, tu ne les as pas dans ta poche. Il y a une pensée qui vient. Je peux entrer? Tu dis, tu quoi? Il dit, je viens avec la solution de ton argent. Tu dis, ah bon? Il dit, oui, j'arrive. Il dit, bon, je t'écoute. Et tu vois, tu as vu, il y a telle affaire.
Si tu donnes 10 000 francs, ça te revient en 100 000. Ouais. Ouais. Laisse-moi rentrer. Donc il rentre. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis, bon, c'est toi qui es directeur de, c'est toi qui dirige la caisse, non? Tu prends 10 000. Tu places. Ça revient 100. Tu remets les 10. Tu gardes 90. Tu dis, tu es sûr, hein? Et puis la passée rentre. Tu dis, ouais. Tu dis, ça peut fonctionner. Il dit, oh, tu connais ton gars là, non? Il a fait ça, ça a marché. Tu vois le gars là? Ou bien tu crois que les gens deviennent riches à Abidjan, en Côte d'Ivoire, quoi pas? La pensée vient s'installer. Tu la mets en zone d'attente. Tu dis, tu es sûr, je te garde ou je ne te garde pas? Tu réfléchis. Mais elle est déjà à l'ambassade. C'est-à-dire, elle est déjà, en fait, elle est à la frontière. Elle te parle, elle te parle. Tu l'écoutes seulement. Chasse-la. Et tu la laisses entrer. Et elle va te convaincre. Prends les 10 000. Et tu remets. Tu fais le placement. 100 000. Tu remets les 10 000. 90 000. La personne dit, tu vois, je t'avais dit, c'est un bon truc. Place. Bon. Donc, si tu prends 100 000, ça va revenir combien? 1 million. Ça fait quoi? 900. Tu mets les 100 000. Ni vu ni connu. Tu diriges la caisse. Pas le problème. Tu fais pour 1 million, ça fonctionne. Yes. Ta vie commence à briller. Les frères voient que tu vas de mieux en mieux. Oh, tu es en train de faire un jeu. La chair, le diable, il ne va pas te créer des problèmes à partir de 100 000 francs. Ben, il sait que tu dois te sortir pour payer ça. Après, il va te dire, la pensée va venir. Prends 1 million, ça va revenir combien? 10. Tu vas avoir combien? 9. De toute façon, le contrôle, c'est une fois par an. Qui saura? Ni vu, ni connu. Yes. Tu prends 1 million, 10. Tu mets les 1, 9 dans ta main. Alléluia. La chair sait que tu peux te battre pour rendre 1 million. Après, tu vas faire sur 10. Ça va revenir combien? 100. Ça fait quoi? 90. Là, tu es en train de lui donner les hectares maintenant. Maintenant, là, elle s'est installée. Elle est sur un hectare de mètres carrés en toi. Et elle s'installe très bien. Et quand elle est sûre qu'il y a un montant qui va te tuer. Voilà, 100 millions comme ça. Elle dit, tu prends 10, ça va quoi? Tu fais 100 millions. 100 millions. Et quand tu prends 10, on vient dire, subitement, contrôle. Même pas, en fait, le truc, c'est pas le contrôle. On vient dire, où tu places l'argent, l'État vient de décider que c'est fermé. Placement d'argent, fermé, fermé, fermé. On met les gens en prison. Tu te retrouves. Toi qui as toujours été honnête, toi qui as toujours été quelqu'un d'intègre, il y a une pensée qui n'était pas pure, qui n'est pas honorable, qui n'est pas digne de louange. Pourquoi c'est une pensée qui n'est pas digne de louange? Parce que toi-même, ce que tu es en train de faire, tu n'aurais jamais toléré que ta fille des maisons fasse ça. Est-ce que toi tu peux tolérer qu'elle prenne l'argent de la popote pour faire placement? Elle arrive au marché, puis où les gens font gagner, gagner, perdu, perdu. C'est l'argent de la maison. Gagner, 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 perdu, perdu. Tu vas la renvoyer? Tu dis c'est l'argent de la route, tu fais gagner, gagner, perdu, perdu. Elle dit, madame, la dernière fois j'ai fait ça, j'ai gagné. La dernière fois j'ai fait ça, j'ai gagné. C'est quand je veux, mon argent. Et puis un jour, elle a fini. Tout l'argent de l'huile, du riz. Il n'y a pas à manger à la maison. Tu vas la renvoyer. Voilà, c'est comme ça le diable fonctionne. Mais c'est d'abord, tout est d'abord des pensées. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois garder ton cœur et chasser toute forme de mauvaise pensée. Amen. Alors, ce qu'on appelle un cœur pur, c'est un cœur qu'on nettoie, en fait, qui garde une certaine dimension. La Bible dit ceci. Je vais la faire. Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8. Il dit ceci. Lisons ensemble. Il a dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils vont voir Dieu. Vous savez, Jésus le dit avec une certitude. Il dit, quand ton cœur est propre, tu vois Dieu. Écoute, ça n'est pas dit que tu es parfait. Ça veut dire simplement que le peu de pensée que tu as, tu gardes ça blanc. Tu gardes ça pur. C'est pas que tu es le plus intelligent, mais au moins ce que tu as, tu veilles à ce que ton cœur soit pur. La Bible dit, tu vas voir Dieu. Voir Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire écouter la voix de Dieu. Ça veut dire, tu vas voir Dieu te parler. Tu vas entendre sa voix. V-O-I-X. Il va te montrer les voies. V-O-I-E. Amen. Tu vas voir. Il dit, Dieu dit, quand quelqu'un a le cœur pur là, il voit Dieu. C'est-à-dire que quand tu es dans la détresse, tu vois Dieu. Tu vois Dieu.
tu vas voir Dieu. Quelqu'un qui n'a pas un cœur pur ne voit pas Dieu. Ce n'est pas qu'on le voit physiquement, mais tu vois Dieu agir. C'est-à-dire que tu sens son action. Tu sens qu'il te sort des problèmes. Celui qui a le cœur pur voit Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Jésus dit, si ton cœur est pur, tu vas voir Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit, un cœur qui est pur, ça ne veut pas dire un cœur qui ne se salit jamais. Ça veut dire un cœur qui est maintenu propre. C'est tout. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvaises pensées. On lutte tous avec les pensées. Tout le monde. Mais il faut savoir balayer. Il faut savoir nettoyer. La dernière fois, je vous rendais mon témoignage de quand j'étais en croisade. Ça m'arrive souvent. J'étais en croisade et puis il a commencé à avoir certains blocages. Donc naturellement, ma façon de prier, dans mes heures de prière, c'est là mes heures de prière, c'est mes temps de cleaning. J'entre, je veux que tu cherches dans mon cœur pour voir s'il n'y a pas un passager clandestin. Et demandant au Saint-Esprit, la ville est grande. Mon cœur, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pensées, c'est une grande ville. Je dis, mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose? Il dit, viens, il m'a amené. Et on est parti trouver dans un quartier, dans un coin. L'orgueil. Un petit, il était arrivé ici, là-bas, un clandestin. Il était arrivé comment? En voyant les miracles, la foule, il y a une pensée qui est venue. Une petite pensée. Non, mon mère, t'es dangereux. Non, tu es un homme de Dieu. Toi, non. Tu vois, là, est-ce que moi, je peux donner un visa à un truc? Je ne vais pas lui donner le visa. Il est passé par la mer. Alléluia. Quand tu as vu la foule là, il est rentré là-bas, un clandestin. Et puis il s'installe. Et il a pris des propriétés. Et il s'installe. Mais il faut faire, il faut te promener. Il faut garder ton cœur avec les torches. Pour regarder qui est là, qui n'est pas là. Frapper aux portes. Quelle est la pensée qui est derrière? Et donc j'arrive là-bas. Or, l'orgueil fait que Dieu te résiste. Donc la pensée est installée. La pensée est là, tu te sens vraiment important. Tu sens que tu es un gars. C'est la voix dit non, tu es dangereux. Quand tu pries, le ciel s'ouvre. Oh non, non. C'est l'orgueil. Et cette pensée-là, elle arrive toujours, surtout quand vous avez du succès. Ah, il faut faire très attention. Dès que quelque chose marche, elle trouve toujours une porte d'accès. Elle rentre. Et il faut la chasser. Il faut la chasser. Elle ne doit pas rester en toi. Et la pensée est venue. Donc quand j'ai prié, et l'esprit, et quand tu demandes ça à Dieu, oh, tu t'aides. Il dit, est-ce que tu dois penser comme ça? Non. Est-ce que parce que tu as fait une croissance, ça te rend supérieur à quelqu'un? Non. Parce que qui a fait? Qui attire le monde? Qui guérit les malades? C'est toi ou c'est moi? C'est toi. Donc, ça fait quoi ici? Jésus, pardon. Voilà. Il sort. On n'a pas besoin de toi dans le quartier. Dehors. Et tu pries pour chasser. C'est ce qu'on appelle le nettoyage. Tu n'as même pas besoin de laisser que ça s'installe et que ça devienne ta nature. Sinon, à un moment donné, quand ça va se cumuler, tu vas devenir hautain. Tu vas commencer à marcher dans la ville, tu vas regarder tout le monde de haut là, et puis toi, c'est comme ça arrive. C'est d'abord une petite pensée qu'il faut chasser. Et elle a commencé. Et ça, vous savez, Dieu va vous bénir vraiment. Hier, je vous ai parlé de l'humilité. Dieu va vous bénir. Quand vous allez bénir, cette pensée-là, elle arrive tout le temps. Les gens même vont vous célébrer. En arrivant en Centrafrique, Jésus a fait les miracles, les paradis qu'on marchait. Les Centrafricains, ils se sont jetés à mes pieds. Et puis pour se dire, t'es pivé en Brésil. Donc je dis, c'est quoi ça? On dit, non, c'est leur culture. Je dis, mais c'est quelle culture qui ça? Et les gens vont vous célébrer. Réussir, ça veut dire que les gens vont vous célébrer. Il y en a qui vont vous critiquer, mais il y a des gens qui vont vous apprécier. Et quand ils le font, c'est pourquoi la Bible utilise l'expression, rendez la gloire à Dieu. C'est quoi rendre la gloire à Dieu? C'est-à-dire, vous pouvez pas. Et à un moment donné, vous ne pourrez même pas empêcher. Sinon, tu vas tout là. Sinon, un moment, mais tu risques de refuser de réussir. Bon, il ne faut pas refuser de réussir, il faut que tu réussisses. Ça ne fait pas partie de ta destinée. Alléluia. Donc, ce que tu fais, c'est que quand cette pensée est arrivée, on te donne la gloire. Il ne faut pas la garder. C'est pourquoi Dieu dit, rends la gloire à Dieu. Quand on dit, on rend gloire à Dieu là, ça veut dire, on te donne la gloire. Tu attrapes ça dans ta main. Tu dis aux gens, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Vraiment, si tu n'étais pas dans la boîte, j'étais foutu. Docteur, tu es tellement brillant. Oh, tu es le meilleur docteur que j'ai jamais vu. De tous les médecins, tu es le seul qui a trouvé. Tous on te dit ça. Tu récupères. Et quand tu rentres en prière, tu donnes aux propriétaires. Car Apocalypse dit, il est le seul digne. C'est-à-dire, vous n'êtes pas vous deux de recevoir les honneurs,
de recevoir la gloire. C'est-à-dire lui seul, la gloire là, elle lui appartient. Vous n'êtes pas copropriétaire de la gloire. Vous n'êtes pas copropriétaire des honneurs. Vous n'êtes pas copropriétaire. Il est le seul digne de recevoir les honneurs, la gloire, les acclamations. C'est lui seul. Tu prends, tu dis, papa, si tu ne m'avais pas rendu intelligent, je n'aurais pas pu aider ce frère. Si tu n'avais pas pourvu, moi-même je ne sais pas guérir un malade. Mais c'est parce que tu m'as donné ce don. C'est parce que j'ai eu le temps de finir mes études. Certains ont commencé les études, ils sont tombés malades, ils n'ont pas pu achever. Mais moi, tu m'as fait la grâce. Je reconnais que tout vient de toi. Je te rends la gloire. Comme ça, tu enlèves la pensée là qui est venue habiter. Tu donnes la gloire à Dieu et ton cœur est préservé. Que Dieu garde ton cœur pur. Que Dieu préserve ton cœur pur. Amen. Alléluia. Et on va terminer avec ça. On va prier. Psaume 51. Psaume 51, verset 10. Alléluia. Lisons ensemble, il a dit quoi? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, c'est Dieu qui crée en nous. Dieu nous aide avec le cœur pur à nettoyer le cœur. Quand ton cœur est pur, tu vois Dieu. Écoutez, le cœur pur, c'est ce qui précède la foi. C'est quand vous avez un cœur pur que vous pouvez continuer de croire. Il n'y a pas trop d'idées qui viennent vous embrouiller. Quand tu as un cœur pur, et à partir du dimanche prochain, je vais développer deux points essentiels. Amen. Alors, quand on parle d'un cœur pur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impureté, ça veut dire qu'il n'y a pas de saleté. Mais je veux parler de ce que c'est qu'un cœur pur en fait. Il y a deux grandes choses qu'il faut développer, qu'il faut travailler. Un cœur qui est bon et puis un cœur qui a des pensées qui avancent. Je reprends. Il y a deux choses qu'on va développer, la bonté du cœur et le cœur qui avance. Pour avoir un cœur pur, il ne faut pas simplement enlever la saleté, mais il faut placer quelque chose. Une pensée, il n'y a pas de vide. Il y a toujours une pensée. Si je veux enlever la pensée de la colère, je dois placer la douceur. Il faut que la douceur vienne habiter dans ce... Il faut que la douceur vienne s'installer. La douceur, c'est un bon cœur. Un bon cœur, c'est quelqu'un qui voit, qui est bon. La bonté du cœur, c'est un mot général. C'est un mot, la bonté, c'est global. À l'intérieur, il y a la douceur, il y a la patience, il y a tout cela. Quand je dis un cœur qui est bon, un cœur qui fait du bien aux gens, un cœur qui aide l'homme. Il faut que ton cœur pense comme ça. Il faut avoir un cœur bon. On va voir comment on développe un bon cœur. Comment les coups de la vie, les blessures de la vie ne vont pas venir s'installer pour créer en toi un cœur méfiant, un cœur méchant, un cœur calculateur, un cœur intéressé, un cœur... Non. Tu n'as pas, ça n'a pas de place en toi. Dieu t'a créé pour que tu aies son cœur. Un cœur qui est bon. Un cœur qui est bon n'est pas une faiblesse, c'est une force. Un cœur qui est bon n'est pas naïf, c'est une puissance. Je t'expliquerai cela dimanche prochain. Est-ce qu'on est ensemble? Un bon cœur. Alléluia. Il y a des gens maintenant, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un cœur qui sait avancer. Donc quand on dit que tu as un cœur qui est pur, il y a deux grandes zones la ville de ton cœur, fait deux grandes zones. La zone de la bonté doit prendre 50% du territoire. Et puis la zone des pensées qui avance, c'est 50%. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, il y a des gens qui sont très bons, ils ont un bon cœur, ils aiment l'homme, ils veulent l'aider. Mais ils ont le cœur qui ne sait pas avancer. Paul dit que, il dit, je cours pour saisir l'héritage de la vie et j'oublie ce qui s'est passé. J'oublie ce qui est en arrière. Vous savez, plus vous cumulez les échecs de vos passés, tu peux continuer à être bon, mais tu portes un fardeau de beaucoup de regrets, beaucoup de combats de ton passé, et ça marque ta vie. Donc ça, ce sont des intrus dans le cœur. Comme ils ne sont pas forcément mauvais, c'est juste la mémoire. Comme ils ne sont pas mauvais, on a une tendance à les laisser s'installer. Mais les pensées des échecs passés reproduisent à nouveau des échecs. Les pensées, il y a des pensées qui doivent quitter. Vous voyez, il y a des hommes, ils ont 21 ans, des filles, elles ont 20 ans, mais leurs cheveux sont blancs. C'est-à-dire que la blancheur, là, ce n'est pas, elle n'a pas, c'est pas une teinte. C'est, elle pense tellement. J'ai vu des enfants de 15 ans. Tu sens qu'ils ont le poids de la vie. Ils ne savent pas oublier. Un cœur qui ne sait pas oublier pour avancer n'est pas un cœur pur. Ton cœur est pur quand il est bon et ton cœur est pur quand il sait avancer en oubliant. Si tu n'oublies pas certaines choses, ça va te fatiguer. Ton cœur n'est pas pur. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas pur. Ce n'est pas quelque chose qui doit être dans ton cœur. Alléluia. Il y a des visages, quand tu les vois, sont des gens très bons, très affables. Mais tu sens que, quand tu vois leur visage, tu sens qu'ils ont vécu quoi. Mais ils ne sont pas vieux, mais
l'expérience. Il y a des rides là. Pour dire, j'ai 22 ans, mais je viens de quelque part. Les yeux là, les poches là sont gonflées, gonflées. J'ai pleuré dans la vie. Il y en a leurs yeux là, tu sais, c'est devenu presque méchant. Il dit, je suis devenu très méfiant. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu t'accorde un cœur pur. Un cœur qui s'est oublié et puis avancer vers ton futur. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc dimanche prochain, nous allons continuer. Que Dieu nous accorde un cœur pur. Donc le cœur, ton premier territoire à conquérir. Alléluia. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Purifie-moi. Purifie-moi. Crée en moi un cœur pur. Que je puisse t'adorer. Alléluia. Crée en nous un cœur pur. C'est notre prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on a été béni par la parole? Alléluia. Amen. Oui, avant la fin de ce mois, donc dimanche prochain, nous continuons. Comment? Amen. Ce premier territoire à conquérir. Comment conquérir et avoir un cœur plein de bonté. Et que la bonté prenne toute la place. Et que le cœur qui avance. Quels que soient les échecs, quels que soient les problèmes, tu te lèves et tu avances vers ton futur. Tu oublies ce qui s'est passé, tu cours vers ton futur. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Comment est-ce qu'on arrive à oublier ce qui doit être oublié et à avancer vers l'essentiel à partir de dimanche prochain? Amen. Nous continuons toujours dans le cadre de la bénédiction numéro 1 pour conquérir. Alléluia. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la parole en lui apportant nos offrandes de reconnaissance. C'est notre deuxième offrande qui est l'offrande de reconnaissance et dans ces paniers, nous recueillons aussi ceux qui sèment pour la construction et ceux qui sèment pour dédier leur année. J'ai dit qu'on allait faire les prières de dédicace de l'année, les dons de dédicace de l'année jusqu'en fin janvier, jusqu'en début février. Amen. Donc le panier va recueillir nos dons. Ensemble, apportons nos offrandes au Seigneur tout en suivant les good news.